Molson, salut les vrais. Directement du salon Alfred Dallaire, un endroit où il fait bon se retrouver en famille, voici Soyeries canadiennes. Noël, c'est le réveillon, va danser, on tourne en rond, on se cache sous les dragons pour établir des relations. Les filles et les rognons, les poulettes et les garçons, dans des assiettes en carton. Bonsoir, bonsoir. Allez vous asseoir. Bienvenue à Soirée canadienne. Ce soir, nous accueillons les habitants de Saint-Joachim-de-la-Pérade, un petit village situé au confluent du ruisseau Gariépi et du réservoir à Purin. Bravo, bravo, bravo. Et nous, sans plus tarder, on vous présente le maire de Saint-Joachim, M. Jean Gariépi. Monsieur Gariépi, bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Bilodeau. Alors, nous, les gens de Saint-Joachim, on est tous réunis pour célébrer la tornade qui a complètement détruit notre village cet été. On célèbre la tornade! On célèbre! Et là, on a des images de cette tornade qu'on voit ici. C'est quelque chose, hein? Oui, on a même battu le record de tornade qui datait de 1943. Oh! C'est un record! Un record! Alors, nous, présentement, on s'affaisse à rebâtir le village, là. On va ériger un servatoire, comme ils disent, là, avec un funiculaire, là, d'où on pourra observer le rang 13. Puis quand le temps va le permettre, là, l'autoroute! L'autoroute! Je vous le promets, l'autoroute! L'autoroute! On va même reconstruire là, la salle communautaire dont le toit a été arraché. Là. Mais en attendant, elle sert de douche communautaire. Ah, oh, c'est bien! C'est alors, bien. Monsieur Bilodeau, permettez-moi de vous remettre les clés de la ville. Alors, ça, c'est la porte d'en avant. Ça, ici, c'est la porte d'en arrière. Ça, ici, c'est les toilettes. Perdez la peau, hein, c'est les seules qu'on a. Merci beaucoup, monsieur le maire. Jean Gariépi, une bonne main d'applaudissement. C'est maintenant pour moi un très grand honneur de vous présenter le doyen du village. J'ai nommé M. Napoléon Gariépi. M. Napoléon Gariépi. M. Gariépi, quel âge avez-vous? Moi, M. Bilodeau, j'ai 118 ans. 118 ans, je suis né en 1905. 118 ans! 118 ans! Bravo! Mais vous êtes une véritable antiquité. Oh, je suis encore capable. Ah. Aïe, aïe. Et vous avez dû connaître le curé Labelle, vous? Le curé Labelle. Oh, le curé Labelle! Oh, le curé Labelle! Vous l'avez connu? Non, pourquoi? Oui, bien sûr. Et on me dit que toute votre famille est ici avec vous ce soir. Ah, oui. Toutes les deux tiers de Saint-Joachim-de-la-Pérade est là. Toute ma famille. Sauf ma petite Anouk, M. Bilodeau, ma petite Anouk, qui est partie dans l'Europe en avion. Elle est partie dans un avion. J'avais pourtant dit à Germaine que c'était mieux de prendre le char. Quoi, vous avez peur des avions? Non, je crois pas à ça aux avions. Ça n'existe pas, les avions. Ça n'existe pas. Non, monsieur Gariépi, on m'a dit que vous étiez un champion de gigue. J'étais champion gigueux de Saint-Joachim en 1924. Il faut dire qu'on était seulement quatre dans le village, mais j'étais le meilleur. Vous allez nous faire une petite démonstration, vous. Allez, je vous aide un peu. Go les jambes. Ah! Bravo. Et vous allez nous interpréter la complainte du forgeron Chénier. C'est ça. En avant la musique! C'était un homme brave et bon qui faisait son métier de forgeron. Et tous les gens du canton, non, pauvre forgeron. Sa femme et ses 40 filles de peste crevion. Mais la plus jeune des 30 partie en avion. Non, pauvre forgeron. Bravo. Alors, c'était M. Napoléon Gariépi, doyen du village. Et moi, je vous présente tout de suite Mme Lucienne Gariépi. Mme Gariépi, vous êtes en deuil de votre mari, je crois. Oui, en effet. Quand la tornade s'est envenue, hein, mon mari est sorti dehors, puis avec sa fourche, puis il s'est mis à crier à la tornade. Ah ouais, viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en! Ah ouais, viens-t'en! Et puis? Est venu. Bravo! Merci.
Eh bien, c'est déjà tout pour Soirée canadienne, une tradition consanguine qui se perpétue de frère en sœur. En avant la musique! Bonsoir!